Con, c'était jeudi 2 juin dernier à l'Accor Hotel Arena. Des milliers de fans de K-pop culture s'étaient réunis pour assister à cette première européenne d'un événement international. Au programme, des idoles de K-pop, des animations autour de la Corée, de la cuisine coréenne et surtout un concert dantesque regroupant des grands noms de la K-pop. Il y avait SHINee, FT Island, BTS, Block B, FX et IOI. Rien que ça. Et vous êtes là depuis quand en fait, hein? 6h du matin et j'étais là hier à 1h du matin. Seuls quelques élus ont pu entrer dans l'espace qui leur était réservé pour profiter des animations. Les autres sont malheureusement restés à la porte. Faudrait juste que ça soit plus grand. Oui, mais alors, il y avait quoi finalement dans cette convention K-Con tant attendue? Eh bien en fait, rien qui concerne vraiment la K-pop. Les animations se concentraient principalement sur les études en Corée du Sud, les cosmétiques coréens, la cuisine coréenne et l'innovation en Corée. Pour notre part, nous avons bien aimé les stands de dégustation qui proposaient gratuitement des petits mets absolument succulents et servis par une équipe très chaleureuse. Bon, mais la vraie raison pour laquelle autant de fans se sont rués vers cette convention est surtout la promesse de plusieurs fan meetings avec les idoles. Le show était présenté par le français Fabien Youn, que vous connaissez peut-être pour ses émissions culinaires et ses rôles dans des dramas. Les premiers à faire leur apparition le matin furent les Bangtan Boys, alias BTS, dont le titre Fire n'a pas fini de nous trotter dans la tête. Le groupe BTS s'est prêté à une session questions-réponses avant de participer à un petit jeu sur la scène. Parmi les membres, J-Hope était le plus communicatif avec les fans. L'après-midi, nous avons eu la visite des acteurs Han Ji-min et Jin-gu, également invités à cette première K-Con parisienne. Merci beaucoup. Bon, maintenant on va aussi. Au revoir. Au revoir. Okay, vous souhaite.
surtout la venue de FX qui a déclenché l'enthousiasme des visiteurs de l'après-midi. L'occasion de constater à quel point Amber est populaire parmi les fans de K-pop en France. Ah bah voilà l'étoile. Pas de problème. Avant le concert, les fan clubs des différents groupes étaient très affairés. Je fais partie du staff de Shiny France. D'accord. Donc pour soutenir le groupe Shiny. Déjà on s'est organisé avec les autres membres des fanbases qui sont là aujourd'hui, IOA, BTS, etc. Block B. On a organisé un food support. Donc ce matin on est venu avec à manger, on les a fait en petits sachets, on les a distribués aux gens dans la fosse qui étaient là depuis plusieurs heures. Shiny France a aussi en partenariat avec d'autres fanbases européennes. D'accord. De Shiny. On a organisé une collecte, en fait on a demandé aux gens de nous faire des dons pour qu'on puisse donner des goods aux gens et des sticks, des étoiles, enfin faire le plus de projets possible pour montrer à Shiny qu'on est présent dans la salle. J'aime beaucoup la dernière qu'ils ont sortie, View, j'aime beaucoup, dans les chansons titres du moins. Après ma préférée c'est mini-album Sherlock avec The Reason et Honesty dedans, c'est mes deux chansons un peu coup de cœur. C'est quoi vos groupes préférés parmi ceux qui viennent là vous attendre? BTS, Block B, Shiny et FX. L'événement majeur de cette KCON était bien entendu le concert. 6 groupes étaient réunis pour nous offrir un spectacle généreux, soutenu par une mise en scène phénoménale. Parmi les moments forts, citons Fire de BTS qui a littéralement enflammé la salle. En plus de l'énergie de Block B et la classe de FX, FT Island nous a fait vibrer avec un son rock porté par la voix puissante de Lee Hong-ki. Le show s'est achevé par la prestation très attendue de Shiny, toujours aussi impressionnant sur scène malgré l'absence de Jonghyun. Nous avons tout de même eu la chance d'assister en live aux légendaires chorégraphies de Sherlock et Lucifer. Voilà, la KCON c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine. Annyeong! I'm not sure that you don't hate.